Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, normalement, il est midi, à midi 15, midi 20, même maintenant, je vais aller à ma boîte aux lettres pour voir si j'ai reçu mon colis. Et si j'ai reçu, bah, on s'ouvre ça directement en vidéo. Donc, à tout à l'heure. On va rentrer à la maison et on va s'ouvrir directement ce colis. Ah, ça fait plaisir. Je l'attends depuis hier, le colis. Alors, mais c'est même pas vrai, je l'attends depuis au moins. Ah, depuis le 9, j'attends ce colis-là, parce que la sortie, elle sortait le 16, la sortie des éditions spéciaux. Donc du coup, bah, ça vient d'arriver. On s'ouvre ça directement en vidéo. C'est bon, je peux commencer à ouvrir. Donc on se retrouve pour l'ouverture du colis. En fait, j'ai commencé à le craquer et je me suis dit, mais merde, je sais pas, j'avais zappé que je voulais faire une vidéo, je voulais juste ouvrir, regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je me suis dit, bon, bah tant qu'à faire, hein, on va allumer les caméras. Un ciseau, hop. Ah, j'avais complètement zappé les caméras sur le coup, j'étais tellement à fond dans mon colis. J'ai juste craqué, mais j'ai pas encore ouvert l'intérieur. Donc un colis qui vient de chez Yugi Bazar. Je me souviens à peu près ce que j'ai commandé, dont surtout les deux éditions spéciales qui sortent aujourd'hui. Oula, il y a masse confetti. Il y a masse confetti. On va mettre ça ici. Et à l'intérieur, on a... Je montre à quelle caméra, je suis complètement perdu là. On va montrer. Voilà, je fais tout tomber. Bon, je vais mettre ça sur mes genoux. On a les deux éditions qui viennent de sortir aujourd'hui. Le 16 mars. Ouais, c'est bien ça, le 16 mars. Donc j'en ai pris deux pour une fois. Normalement, je prends des displays, etc. Mais j'avais déjà pris trois displays, je crois, de Tempête de Rage. Et j'ai eu toutes les cartes qui m'intéressaient. Donc je me suis juste dit, bon allez, prends ces deux éditions pour les cartes promotionnelles qui sont ici. Donc on en a quatre, en espérant avoir de la chance. Et voilà. Donc ça sort aujourd'hui. C'est vraiment une exclu que je vous fais. Donc, à l'intérieur. Oh là là. Il y a même mon prénom et tout derrière. C'est stylé. Donc ça, c'est ce que j'ai commandé pour le mois. Hop. Ah, pour le mois. Non. Si, parce qu'à la fin du mois, faut savoir qu'il y a aussi encore les deux nouvelles displays que vous attendez sûrement tous. Avec les boosters de la première génération qui sont juste stylés. Là, je vous fais un petit aperçu de ce qu'on va s'ouvrir dans le mois. Donc on commence avec 5 boosters, pack du dueliste Yusen 2. Donc ça c'est, je n'avais pas pris des masses. J'en ai ouvert peut-être une fois sur la chaîne je pense. Et c'est tout, c'est une collection que je cherche encore à compléter. Donc 5 boosters, on se fera cette ouverture-là. On se fera aussi cette ouverture-là ce soir. Ouais, ce soir on se prend ça. Bah, ça sort aujourd'hui, donc quand je vous mets cette vidéo-là, vous la verrez dans la journée, sûrement dans la soirée. Eh ben, on s'ouvre ça ou demain matin, je verrai bien si je m'endors pas dans la soirée. Donc voilà. Enfin bref. Je suis à fond dedans là, je surkiffe. 5 boosters, les âmes croisées. Une série qui me manque encore aussi. Pas mal de cartes. C'est pour ça que je me suis encore permis de prendre 5 boosters. Qui est une série de 100 cartes. L'extension complète composée de 48 cartes communes, la carte rare, 14 cartes super rares, 10 cartes ultra rares et 8 cartes secrètes. Alors ça, là c'est... Alors je vais garder pour la fin, hein. Je cache, vous voyez pas. Chasseur du numéro, aussi une série où vous avez à chaque fois 4 cartes super rares et une secrète à chaque fois. Donc l'extension complète est composée de 40 cartes super rares, c'est bien ça, et 20 cartes secrètes rares, donc une secrète minimum par booster, qui est une jolie série pour moi, chasseur de numéro. Donc voilà, 5 boosters aussi qu'on va s'ouvrir. Et ça, c'est... Je me suis fait un kiff. J'avais envie d'acheter des boosters que j'aime bien, qui coûtent un petit peu plus cher. Mais j'ai pris. Donc le choc des rébellions. Des boosters qui ont déjà juste de la gueule. Mais c'est une série que j'aime bien. C'est toujours été un petit peu cher. Mais là, je me suis dit, allez, tiens, ce mois-ci, tu t'en prends 5. Et tu te feras un kiff sur cette ouverture. Mais ce n'est pas fini, il reste encore des boosters. Mon ciseau, mon ciseau.
Hop là. Donc on a derrière. Mon tapis est rempli de copeaux. Après, il faudra que je le frotte. On a Superstar Mondial, un booster. Chasseur de numéro, un booster. Onde de choc photon, un booster. Puissance absolue, un booster. La crise écarlate. Ancienne prophétie. Le seigneur de la galaxie. Arsenal mystérieux 6. Arsenal mystérieux 5. Et la guerre des géants. Donc, je pense que... qu'on se fera une vidéo où on va s'ouvrir tous ces boosters différents. Ce sera la, je vais pas dire la grosse vidéo du mois, parce qu'au début du mois, je vous ai fait une ouverture de deux displays pack étoile Battle Royale. Là, je compte vous faire cette ouverture-là de tous ces boosters différents en une ouverture. Mais à la fin du mois, il y a aussi l'ouverture de deux displays. Donc voilà, voilà un petit peu tout ce qui est annoncé pour le mois. C'est pas fini, j'ai passé une commande directement au Japon cette nuit. C'est pour ça que j'ai la tête dans le cul. J'ai passé une commande au Japon sur un de leurs sites pour avoir des produits, des figurines, etc. J'espère que ça va arriver. J'ai pris 2-3 trucs différents. Après, je sais pas, avec des trucs de douane, etc. Ça peut mettre pas mal de temps à arriver du Jap. Mais bon, j'ai pris le risque hein, dans tous les cas. On verra bien, et si ça se passe bien, bah je repasserai sûrement une commande sur leur site. Bah sur ce, on se dit à ce soir pour l'ouverture des deux éditions spéciales. Passez une excellente journée, et à ce soir. Salut, salut!